Nous allons venir avec déclaration au complet dans l'émission que Florentino Pérez a fait avec Chiring Winto. Nous connaissons l'émission télévisée dans le pays l'Espagne. Première déclaration, il fait qu'on est que les grands clubs d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie doivent trouver une solution à la mauvaise situation que connaît le football. Là, on a commencé avec lui. Il continue pour dire que nous sommes arrivés à la conclusion qu'avec la création de Super League, nous pourrions rattraper les montants Ligue des Champions perdus. Et bien là, monsieur attaque directement UEFA pour faire qu'on est que avec Super League qui créé à eh bien, il est capable de rattraper l'argent que la Ligue des Champions lui fait au pays. Pas oublier ou même qui a suivi nous, mes amis, ou sous pouvoir meilleur, chaîne YouTube qui a toujours bon, toute sa cap dominée actualité football. Ou même qui pour faire ça, cliquez pour vous abonner, activez la notification comme ça, vous êtes capable de toujours rester connecté ensemble avec nous. Nous continuer. Monsieur qui fait connaître, nous devons générer plus de profits en créant plus de matchs compétitifs. Et bien, UEFA lui-même, qui voulait pour le bail, ils ont fait de et 13 matchs actuellement pour passer à 17 matchs. Et bien, Super League l'a proposé, donc n'a pas là à gagner 23 matchs pour chaque club. Et ce n'est pas des matchs qui sont simples, puisque c'est des grands clubs qui vont affronter, donc ça a bail plus d'argent. Il continue pour dire que quand vous n'avez pas d'autres revenus que les droits TV, la solution est d'offrir plus de matchs attrayants, permettant aux fans de football du monde de regarder des matchs opposant les plus grands clubs du monde. Florentino Pérez qui a parlé toujours. Au Real Madrid, nous avons perdu beaucoup d'argent et nous sommes dans une très mauvaise situation économique. Là, la continue à parler toujours. Le football doit changer. Il doit évoluer. Comme toute entreprise dans le monde, le football doit s'adapter et changer. Florentino Pérez a continué à parler toujours. Le football doit évoluer. La pandémie a accéléré le processus parce que nous sommes tous ruinés. Là, nous d'accord avec lui, j'aime dire ça déjà. Barcelone endetté, ils ont des billionnaires. FC Barcelone endetté, Real de Madrid endetté, Tottenham également, Arsenal également, Juventus également. Donc, il y a un grand joueur qui a payé. Pas oublier, dans le FC Barcelone, il y a un contrat Lionel Messi à 500 millions d'euros. Nous pas oublier, non? En tous les cas, on va continuer. Florentino Pérez continue pour parler pour dire que je suis entré dans le monde du football en 2020. Le football doit évoluer comme les gens, les entreprises, les réseaux sociaux. Le football doit s'adapter à l'époque dans laquelle nous vivons. Le football a perdu tout intérêt. On a créé la Super League pour sauver le football. 40% des jeunes ne sont pas intéressés par le football parce qu'il y a trop de matchs de mauvaise qualité. Nous avons dû prendre en compte ça. Là, sous point ça, mon petit jeune d'accord avec Florentino Pérez, même si ce n'est pas à 100%. En pile, mon actuellement, il a perdu goût pour garder le football là. Parce que là où FC Barcelone a joué avec Ferencváros, là où FC Barcelone qui a joué avec Dynamo Kiev, mais sous le Bayern de Munich, Juventus, pas pour y regarder ou pas regarder FC Barcelone. Donc là, la continue pour parler toujours. La Super League n'est pas une ligue fermée. N'importe qui peut en faire partie. Qui ça veut dire par là? C'est 15 clubs fondateurs qui a toujours là qui ne peuvent jamais descendre, 15 pigo clubs yo. Et bien, il y a les pilons pour faire qu'on ait que, il y a 5 clubs qui ont choisi, soit par, et ça au fait sportivement, par classement, etc., ou du moins par invitation, qui a fait un total de 20. Donc, 5 clubs ont venu participer chaque année. Florentino Pérez continue pour faire qu'on ait que, nous voulons sauver le football pour les 20 prochaines années. Si vous gagnez la Ligue des Champions, vous recevez 120 à 130 millions d'euros de l'UEFA. Mais avec la Super League, nous gagnerons beaucoup plus. Selon une source, club qui pourra jouer et Super League là, depuis qu'on a commencé pour jouer, il y a joué 335 millions d'euros. Nous disons 350, 335, mais c'est environ 350 millions d'euros. Pas oublier, leur jouer Ligue des Champions, jusqu'à ce qu'on gagne, ou recevoir 130 millions seulement. Seulement pour participer
dans ça qui est avec Super League là, eh bien c'est 335 millions d'euros, un bagaille énorme. Faisons bien ça, les bilans vous faire connaître que les joueurs bannis des compétitions internationales et leur poser la question sur ça, sur joueurs qui ont pas banni sur compétition internationale avec compétition que UEFA a organisé. Monsieur qui fait connaître que ne vous inquiétez pas, cela ne se produira pas. Ils ne seront pas bannis s'ils rejoignent la Super League. Eh bien, monsieur qui assure Mounio, donc si vous arrivez à entrer dans la Super League là, yo pas banni, yo pas bien aucun problème. Qui ça fait dit ça? Est-ce qu'on imagine yon Ligue des Champions sans Cristiano Ronaldo? On dit que Paris Saint-Germain t'a venu rejoindre, mais que Paris Saint-Germain kounya la li pa la dan non? Est-ce qu'on imagine yon Ligue des Champions sans FC Barcelone? Est-ce qu'on imagine yon Ligue des Champions sans la Juventus de Turin? Est-ce que vous imaginez yon Coupe du monde sans Cristiano, sans et Messi? Et pourquoi pas, si Paris Saint-Germain t'a rejoint, sans Neymar, sans Mbappé, et si Borussia Dortmund t'a rejoint, sans Erling Haaland, si Bayern de Munich t'a rejoint, sans des joueurs comme Robert Lewandowski, et si, comme Chelsea là, ok, comme Manchester City là, sans Kevin De Bruyne, sans toute superstar ça, est-ce qu'on imagine une Coupe du Monde? Eh bien, il fait qu'on est que, donc, intérêt à, donc, yo gen intérêt la FIFA et l'UEFA, yo gen intérêt nan jouer ça, donc ça va briller. Li continue pour dire que le Real de Madrid, Manchester City et Chelsea, comme les autres clubs de la Super League, ne seront pas bannis de la Ligue des Champions ou des championnats nationaux. À 100%, j'en suis sûr, c'est impossible. Florentino Pérez qui a parlé toujours. Nous voulons commencer la compétition dès que possible. Nous dialoguerons avec l'UEFA et la FIFA. Les 5 nouveaux clubs qui entreront dans le tournoi y entreront à juste titre. Cela s'inscrit dans le cadre du sport. Et bien, M. Giver, on est que côté compétitivité, il y a 5 clubs qui ont toujours participé dans la Super League là. Mais ça qui va venir à juste titre. L'UEFA a préparé le nouveau format de la Ligue des Champions pour 2024. En 2024, nous serons morts. Eh bien, là, il faut un commentaire sur lui. Si tu apprends la façon actuelle que le football a pralé là, Florentino Pérez, il y a une crasse raison sur le thème ça. Pour qui ça me dit ça? Actuellement, même en vie que tu pour garder un match de football là, il n'y a pas même envie encore. Un football qui a joué actuellement sans fanatique, ce n'est pas même bagaille là encore. Seul ça qui a sauvé, c'est les gens qui ont joué en douce. C'est là qu'il y a un Bayern, d'Agade TNT Sport, qui t'a fait retransmission match là sur Facebook, qui t'a presque 3 millions de monde qui t'a regardé sur Facebook, dans Facebook Watch. Ok? Mais là, il y a par exemple, et un Barcelone avec Young Boys, par exemple, qui a joué sur Facebook. Qu'est-ce qu'il va regarder? Jusqu'en 2024, est-ce que l'année qui a venu a bien assez de fanatiques pour t'a remonté ce sport là dans la supposée? En tout cas, on continue. Florentino Pérez continue pour dire que les championnats doivent continuer comme avant. Ils peuvent parfaitement coïncider avec la Super League européenne. Là, je ne suis pas tellement d'accord. Pour qui ça? C'est parce que si on est supposé jouer le mercredi ou bien le jeudi, etc., et bien, il n'y a pas de Coupe d'Espagne qui n'a pas de problème. Les Coupes nationaux n'ont pas de problème. Et bien, les Coupes nationales, disons, parce qu'on dit la Coupe. Donc, les Coupes nationales n'ont pas de problème. Et bien, définitivement, donc, pas de problème dans le calendrier quand même. Florentino Pérez qui parlait sur Paris Saint-Germain, il dit nous n'avons pas encore invité le Paris Saint-Germain ni les clubs allemands Bayern et Borussia Dortmund. Là, il parlait que sous rumeur qui a fait qu'on est que il était invité Borussia Dortmund, Bayern, etc. avec Paris Saint-Germain, donc il faut éviter club ça. Il fait qu'on est que nous sommes pour le moment 12 équipes. Nous voulons finir à 15 clubs. Si le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich refusent, la Super League ne sera pas annulée. C'est une connerie. Donc, Florentino Pérez a continué pour dire que ferons-nous si l'UEFA dit non? En attendant, nous ne pouvons pas accepter que le président de l'UEFA insulte le président Agnelli de cette manière. Pas oublier que, eh bien, président UEFA,
qui c'est Alexander. Il dit que Agnelli, c'est un traître. Agnelli, pas un monde qui combat un petit passé. Donc, Frenzio Perski dit que il va prendre ça dans la main, président UEFA. Frenzio Perski continue pour dire que les 15 clubs fondateurs sont ceux qui pèsent le plus en termes de divertissement. D'autres comme le Napoli, la Roma auront une chance d'être dans la compétition un jour ou l'autre. La Super League n'est pas une ligue pour les riches, c'est une ligue pour sauver le football basé sur la solidarité. Nous ne laisserons pas le football disparaître. Monsieur qui parlait en pile l'autre cause toujours, mais quand même, il parlait tout sous dossier Erling Haaland n'a venu avec les pour. Monsieur qui dit que nous travaillons sur ce tournoi depuis 2 ans. La pandémie nous a donné le coup final pour lancer ce tournoi. Nos revenus ont diminué de 300 millions d'euros. On a continué. Donc, et tant ça. Et quittez nous garder et quelques bagages qui ont passé là dans les commentaires. Donc, il y a un pile de monde qui a commenté là. Continuez à commenter, mesdames et messieurs. Et continuez, si vous voulez, tout cliquer sur le bouton de là, le nous live, ou bien pendant nous live là, pour continuer, cliquer sur lui, pour participer ensemble avec nous d'une façon économique. Eh bien, monsieur qui te parle tout, soit fait Erling Haaland, mais toujours, on toujours dans la Super League là, ok? Monsieur qui dit que une deuxième division pour la Super League pourrait être créée. Il parle plus loin toujours, il y a même, et ça qui avait avec et Liga Europa, et bien t'as pour l'envelopper. Si les jeunes trouvent que les matchs de football sont trop longs, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas assez intéressants. Peut-être que nous devons en réduire la durée. Eh bien, on va continuer en logique. Donc, il dit, s'il y a un accord, nous commencerons la saison prochaine. S'il n'y en a pas, nous pouvons attendre encore une année. C'est ça que Florentino Pérez déclare. Et lui-même allé plus loin, leur pose la question sur Kylian Mbappé, mais c'est pas de les répondre, ni faire connaître que. Et moi, je viens ici là pour parler de la Super League. Et sur Cristiano Ronaldo également, donc il dit, ça n'a pas de sens. Il nous a beaucoup donné, mais c'est fini. Il a un contrat avec la Juventus de Turin, il y reste. Ok? Donc, sur dossier Juventus Junior, il fait connaître que. Et Vinicius par vente, lié intransférable, etc. Ok? Donc, ça, c'est déclaration de Tosa lui-même, qui c'est, et Florentino Pérez, nous connaît que c'est président actuel de la Super League en Europe.